Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans le nouvel épisode de Star Wars V4 Please Giraffe. Donc chers amis, nous allons réaliser un paquet de petits ajustements sur ce vaisseau. En l'occurrence, toutes les portes seront automatisées. En tout cas pour les portes, en tout cas des différents wagons. Hop. Ha ha. Ha ha. Comment vais-je résoudre ce problème? Comment vais-je résoudre ce problème? J'ai trouvé. Hop, je déplace ceci et je la mets en fond. En plus, elle va aller très très bien en fond, je trouve. Parfait. Hop, on progresse. Comment je vais pouvoir déplacer le tonneau? Où est-ce que je vais pouvoir le déplacer surtout? Juste derrière la... Bah voilà, juste derrière. Et donc là on prend le T, chers amis, et comme je vais vous l'expliquer, tout marche avec le principe du rouge et du bleu. Voilà. Un point rouge doit forcément aller sur un point bleu. Ainsi de suite. C'est très très simple. Sur une porte, il y a un point rouge et un point bleu. L'un peut fermer la porte, l'autre peut l'ouvrir, je crois. Ou non, c'est plutôt l'activation des deux. L'un permet l'activation d'autre chose, en fait. Je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Alors, automatiquement, ne pas mettre d'autre chose et mettre deux points rouges sur un point bleu, c'est un ouf. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais... Ah, tiens, j'ai oublié d'en mettre ici. Hop. C'est-à-dire que ça... Ça veut dire que d'un côté ou de l'autre, ça ouvrira la porte. Hop. Ce qui jusque-là est assez efficace. Alors. Donc voilà pour ce qui est des portes. Ici. Par exemple. Ah, la console n'est pas fonctionnelle. Alors ça c'est vexant, c'est-à-dire que la console n'est pas utile du tout là actuellement. Console donc. Je préfère encore en avoir une petite fonctionnelle qu'une grosse inutile. Et oui, ça peut changer plein de choses, chers amis. Ça veut dire, ça peut s'accorder avec plein de choses. Ah là là. Hop. Voilà. Ensuite. Small. Ah, j'ai pas small switch. Alors, je vais le chercher. Small switch. Hop. Une fois que ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, j'aimerais à mettre à chacun des points juste à côté. Ah non, je veux plus petit que ça par contre. Je veux pas avoir plus petit que ça, s'il vous plaît. Ah 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 ah. Nous nous trouvons devant un cruel dilemme. Slash admin. Il va nous falloir mieux que ça. Tiny wall switch. Voilà, c'est celui-là. Voilà. C'est le tiny, c'est pas le small. Tiny. Alors le switch c'est tout simplement un bouton switch, c'est un on off. Donc ça me permettra par exemple d'allumer mes lumières automatiquement. Là il est allumé, là il est éteint.
Ici, je voudrais que ce soit ça. Ou ça. Ou ça. Ou ça. Ce qui fait qu'en fait, tant que je suis présent dans le truc, ça s'allume. Là, je m'en vais. Ça s'est éteint. Ça, on s'en rend pas compte, mais ça s'est éteint. Ici. J'aimerais donc un on-off. Mais j'aimerais mettre ça. Non, je peux pas mettre ça, sinon ça va pas marcher comme je veux. Hop, ceci. 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 Hop. 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 Est-ce que ça va passer? Ça passe, c'est génial. Hop. Hop. Et hop. Pareil de l'autre côté. Hop. 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 Et il me semble être bon. Ce qui veut dire que là, j'allume un. Mince. J'allume un. Tout s'allume. Le problème, c'est que vous voyez, je peux pas prendre allumer là et éteindre là. Bon, ça c'est problématique. Faudra que je vois comment je peux faire ça. Là, comme de l'autre côté, c'est pareil. Tant que je suis présent, ça fait comme ça. Ça, je viendrai le faire ensuite. Là, je vais pas pouvoir mettre de switch. Là, je vais être baisé, sauf si je le mets un poil plus bas. Ça casse un petit peu le truc. Mais bon, je suis bien obligé. Et ici, cependant, ça ne marchera qu'avec le haut. Et vous voyez, regardez. Hop. Le coca aussi, je peux l'allumer. Par exemple. Vous voyez? Donc voilà. Moi je veux qu'il soit allumé le coca. Hop, du coup si je veux qu'il soit allumé, je le relance, je pense que ça devrait marcher. Voilà, il est allumé. Ah merde! Je me suis planté sur un truc! Ah ah! Le switch. Là. J'ai chié dans la colle! Voilà. Ici, dans les chambres, je ne voudrais pas mettre de switch. Ça m'embêterait, à vrai dire. Enfin, dans les différentes pièces. Parce qu'en fait, ça se trouvait ça pratique, à la base. Donc, c'est là que le problème va se faire. Ou alors... De toute façon, elles sont pas switchables. Elles ne sont pas switchables, ces lumières. Ah, merde! Elles sont pas switchables du tout. Alors, voyez-vous, ça me pose un problème. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors. Hop. Oui, ça me pose un véritable problème, mais bon, ce n'est pas grave. Hop. Le switch, je vais le mettre là.
ça par contre, vous allez comprendre. Ça sera à la main. C'est logique. Ça me semble logique. Ok. Les bougies. Pareil, c'est à la main que ça se passe. Cependant, je vais quand même mettre un switch pour la grande lumière au fond. Je vais pas le mettre trop haut non plus, le switch, ce serait moitié con. Bon, c'est pas exactement comme je l'aurais espéré, mais c'est pas plus mal. Ça rajoute une certaine vie, on va dire. Ok, donc là on rajoute aussi des switches, pardon. Cependant, comme on est dans une zone assez high-tech, allumer le switch allumera tout. Ou alors, c'est vraiment suivant la zone, ça pourrait être cool aussi, suivant la zone, remarque. Ça revient sur l'idée de départ que j'avais. Ouais, pourquoi pas. Allez, vendu. Hop. Voilà. L'avantage, c'est que lui aussi il pourra se balader puisqu'il répondra au scanner. Les scanners fonctionnent avec lui aussi. Du coup, là j'ai pas grand chose qui fonctionne à la. Ha! Si, j'ai quelque chose, tiens. Un truc que je m'attendais pas. Juste pour voir, je vais juste faire un truc. Si je l'allume. Je l'entends. Ok. Alors ça peut être cool. Vous allez comprendre pourquoi. Si je rajoute par exemple, admettons. Truc que j'aimerais pas trop visible en fait. Voilà, imaginons que je rajoute ça. Ou alors peut-être plutôt ça. Voilà. Et que dessus je rajoute. Je vais même enlever celui-là, tiens. Et que dessus je rajoute un capteur. Un capteur, voilà. Et qu'avec ce capteur, je choisisse d'alimenter ce truc-là. Ça veut dire que dès que je vais aller là, voilà, ça nous fait de la musique. C'est cool. Moi, je trouve ça cool. J'aime, j'apprécie. Et donc, ici, je voudrais un switch. Je voudrais même deux switches. Un petit, si possible, d'ailleurs. Plutôt en bas. Un petit qui fera celui-là. Qui fera celui-là. Qui fera celui-là. Qui fera celui-là. Et un autre switch. Qui fera tout simplement. Non, pas celui-là. Hop. Voilà. Bon. Hop. Hop, ça éclaire à peu près tout, c'est cool. Je retiens.
Là, ça éclaire le machin, je peux monter. Me mettre sur le siège, appuyer sur le bouton. Appuyer sur le bouton, je vais me mettre sur le siège après. Ça, c'est casse-couille. Mais bon, pourquoi pas. Bon! Eh ben, chers amis, on a un vaisseau fonctionnel! Hop, les. On a un vaisseau qui marche bien! C'est cool, ça! Qu'est-ce que je pourrais proposer d'autre dans ce vaisseau? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Automatiser d'autres choses, peut-être non. Au final, je n'ai pas grand-chose. Hop. Est-ce que ça, par exemple, je peux le mettre là? Hop, vas-y, cuit. Si, j'ai d'autres choses que je peux faire. Il y a quelque chose que je peux faire, par exemple. C'est finaliser le rangement de ça. Hop, je vais mettre ça dans le conteneur du bas. Tout au fond. Oh, j'aimerais bien que tu m'enlèves tout ça, merci. Hop. Voilà. Voilà. Non, mon sac à dos il est à moi. Non mais où? C'est mon sac à dos. Sac à dos, sac à dos, sac à dos. J'ai déjà un conteneur de plein, c'est cool. Tout ce qui est construction aussi, je peux le mettre en marque. J'aurais pas dû, mais genre, enfin... Je vais le récupérer. Comme ça, je vais faire mon petit tri à la con. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ce qui me restait là. Voilà. On le met là. Crac, c'est bon. Bon, eh ben ça y est, tout est fait, tout est rangé. Écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.